En tout cas, au début, il va falloir charbonner. Ça, c'est clair. Petite vidéo, les gars. Parce qu'on m'avait posé une question, on m'avait dit, ouais, mais est-ce que on doit toujours être en train de faire quelque chose, genre? Est-ce qu'on doit toujours en train de charbonner, quoi, en gros? Et c'était un peu ça la question, je pense, qu'il voulait me demander. Alors, je crois que c'est Johan qui m'a demandé ça. Et du coup, pour répondre à cette question-là, en fait, alors c'est vrai que moi, je prône le charbonnage. Hein. C'est le truc magique, genre tu réussis du jour au lendemain sans rien faire. Ça, c'est pas moi, ça. C'est pas moi. Moi, j'ai jamais vu ça. Les gens qui cherchent à devenir riches sans rien faire, connais pas, je comprends pas. Maintenant, après, il y a une différence. En fait, tout va dépendre de tes objectifs. Si jamais, par exemple, je sais pas, tu veux faire 2000 euros par mois, par exemple, bah, ça va pas te demander les mêmes efforts que si jamais tu veux faire 20 000 euros par mois, tu vois, ou 30, ou 40, ou 60, ou millionnaire, tu vois, parce qu'il y en a qui disent qu'ils veulent faire un millionnaire, tu vois, imaginons, tu veux atteindre le million. Bah, le million, si tu régules sur chaque mois, ça fait comme 86 000 dollars par mois, tu vois. Alors même si évidemment tu vas pas faire 86 000 dollars pile par mois, il y a peut-être un jour tu vas faire 100, un autre mois 60, etc. Tu vois. Mais forcément, ça va pas te demander le même investissement. Tu n'auras pas les mêmes équipes, tu n'auras pas les mêmes responsabilités. Il y a tout qui change en fait. Et du coup, tu n'auras pas les mêmes actions, tu vois. Donc la période où vraiment tu dois charbonner, réellement, tu vois, c'est dans les débuts, en fait, tu vois. C'est la première année. Mais non, mais la première année, t'as pas le temps. Si tu me dis que tu regardes Netflix, c'est la première année, mais non, ça n'est pas tes objectifs. Mais la première année, bien sûr que tu vas charbonner quel que soit le business, tu vois. Mais après, ça va peut-être que j'en parle moins. J'ai pas envie que les gens retiennent que ça, mais après ça reste quand même vrai. Après, une fois que tu as tout mis en place, que ton business il commence à tourner, par exemple ton business en ligne, bah, après t'as plus vraiment beaucoup d'efforts à faire. Hein. Peut-être que tu vas travailler 1-2 heures par jour sur ton business, et après c'est tout quoi. Tu vois, moi je te prends l'exemple du saxophone par exemple. Business en ligne sur le saxophone, si tu ne sais pas, ben j'ai un business en ligne sur le saxophone où je vends des formations en ligne sur le saxophone où j'apprends les débutants à jouer au saxophone tout simplement. Et ben, je travaille pratiquement pas dessus et pourtant ça m'apporte des revenus, tu vois. Et quand je te dis je travaille pas, je fais rien, je fais vraiment rien. Là, d'ailleurs, je vais reprendre parce que là je fais un petit peu n'importe quoi. Parce que forcément, si tu fais vraiment rien, ça fait je sais plus combien de temps, au moins 2-3 ans que je fais plus rien dessus. Forcément le chiffre il descend, hein. Tu fais beaucoup moins de ventes. Mais là actuellement le seul truc que j'aurai à faire par rapport au business, à ce business là, ce sera juste refaire des vidéos, c'est tout. Refaire des vidéos sur YouTube, faire un peu de pub, voilà, pour faire connaître pour faire connaître la chaîne, pour faire connaître mes vidéos. Et puis c'est tout. Tu vois, et ça te prend pas 50 000 ans. Maintenant, au début, pour pouvoir mettre tout ça en place, pour automatiser tout, ça m'a pris du temps. Ça m'a demandé de me former pour savoir exactement comment tout mettre en place. Parce que du coup, tout est automatisé, tu vois. De toute façon, si tu veux en savoir plus, savoir exactement comment j'ai fait pour tout automatiser, j'explique tout dans la masterclass. J'en parle exactement comment j'ai fait mon lancement avec ce business-là, combien ça m'a rapporté quand je me suis lancé, comment j'ai fait pour l'automatiser. Donc voilà, donc pour répondre à la question de Johan, en tout cas au début, il va falloir charbonner. Ça c'est clair. Au début, il va falloir charbonner. Et plus tu vas avoir des objectifs élevés, plus tu vas devoir charbonner beaucoup plus. Parce que le problème avec les gens, c'est qu'ils ont des objectifs ici, tu vois, mais leur action, elle est ici. Et ça peut pas fonctionner en fait. Il faut que les deux soient en accord, tu vois. Avoir des objectifs comme ça et puis genre objectif 1 million et faire des actions de 2000 euros, tu vois, c'est pas possible, tu vois. C'est où tu baisses ton objectif à 2000 euros ou tu augmentes tes actions pour que ça puisse correspondre à quelqu'un qui veut gagner 1 million. Ok, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Là, faut que j'aille courir.
je sais pas combien de mètres à pied. Voilà, petit coin sympa, petit parc. Allez, il y a eux et il y a nous les gars. On lâche rien, t'as tout en description. Si jamais tu es sur Instagram, tu cliques dans la bio et tu auras accès à une palette de formations offertes. Enfin une palette, il y en a deux. voilà, je te conseille d'aller sur la masterclass par exemple. Si t'es sur YouTube, bah t'as tout en description. Ok les gars, on lâche rien, tu dors bien.